Deuxième partie de ce corrigé du brevet blanc de mars, la partie géographie, c'est-à-dire développement construit et repères. Alors, je vais commencer par les repères. Donc, vous aviez des repères géographiques de France métropolitaine, qu'on va corriger tout de suite. Donc, je rappelle qu'une carte, eh bien, ça doit être soigné, donc n'hésitez pas à utiliser différentes couleurs qui, pour chaque élément, hein, qu'on sache qu'ils sont distincts les uns des autres, écrivez lisiblement. Quand on écrit le nom des reliefs, on les écrit en lettres capitales. Quand on écrit le nom des cours d'eau, on les écrit au contraire en cursive. Et on suit le cours d'eau. Bref, enfin, il y a toute une série de choses que vous pouvez faire pour que ce soit plus propre. Donc vous aviez d'abord un certain nombre de reliefs à placer. Les Alpes, les Pyrénées, le Massif central, les Vosges. Vous aviez également des cours d'eau. La Seine, la Loire, la Garonne et le Rhin à la frontière avec l'Allemagne. Et vous aviez une aire urbaine, l'aire urbaine de Toulouse. On vous demandait aussi de dire quel était l'espace délimité par les pointillés que l'on voit ici. Et donc, il s'agissait de la diagonale des faibles densités. On a accepté éventuellement diagonale du vide, même si cette expression est un petit peu obsolète. Puisqu'on ne peut pas vraiment parler de vide, hein. ça n'est pas la réalité. D'abord, il y a bien des habitants, et puis il y a aussi des activités importantes. Ce sont des espaces productifs, donc on ne peut pas vraiment parler de vide. Alors ensuite, vous aviez un développement construit. Le développement construit, évidemment, c'est l'exercice qui souvent pour vous est le plus difficile. Donc il faut procéder en respectant les règles qu'on a prises ensemble. C'est-à-dire, que, comme vous allez le voir dans le corrigé, faire un travail structuré et bien préparé au brouillon. Donc le sujet était d'écrire les difficultés et les atouts des espaces de faible densité en France. Vous pouvez vous appuyer sur les exemples étudiés en classe. Alors, de façon évidente, quand on lit le sujet, on voit qu'il va être divisé en deux parties, les difficultés ou contraintes en géographie, et les atouts, c'est-à-dire les avantages, de ces espaces. Il est plus logique de commencer par les difficultés, puisque c'est en général ça qui vient à l'esprit quand on parle des espaces avec faible densité, pour ensuite parler de leurs éventuels atouts. Alors, pour faire un développement construit, on commence toujours par l'introduction. Donc déjà, nous, on accordait des points rien que si votre travail était structuré. Donc il est important qu'on voit cette structure quand on voit votre texte. Regardez ici, moi, mon corrigé, on voit immédiatement qu'il est organisé d'abord en une introduction, une première partie, une deuxième partie, c'est le développement, et la conclusion. Ça doit se voir dans votre copie. On doit voir que vous avez sauté des lignes, que vous avez laissé des alinéas, c'est-à-dire un espace après la marge, à chaque début de paragraphe, de façon à ce qu'on voit la structure de votre pensée. Et évidemment, ces paragraphes doivent correspondre à des idées qui elles-mêmes répondent au sujet. Et c'est ça que vous avez préparé normalement au brouillon. Alors, en introduction, on annonce ce dont on va parler. Quelqu'un qui lit votre introduction doit savoir quel est le sujet, même s'il ne l'a pas sous les yeux. Du coup, on reprend les mots du sujet et on les explique. On donne des définitions. Donc, comme on est en géographie, il faut définir et situer. Si on avait été en histoire, la situer, ça aurait voulu dire donner des dates. Comme on est en géographie, on va situer dans l'espace. Donc, en France, les espaces de faible densité, définition, espaces habités par moins de 30 ou 40 habitants au kilomètre carré, sont des espaces ruraux situés à l'écart des grandes aires urbaines, avant tout dans la diagonale des faibles densités. Quelles sont leurs contraintes, mais aussi leurs atouts? Donc on a les mots du sujet, j'aurais pu mettre quelles sont leurs difficultés, mais aussi leurs atouts, la définition et la localisation des espaces à faible densité. Ensuite, donc, on passe à la première partie, c'est-à-dire les contraintes. Donc, tout d'abord, on vous demandait quelles étaient les contraintes. Il fallait en donner une série, à chaque fois en vous appuyant sur des exemples des études de cas vues en classe. Alors, voyons tout d'abord les contraintes des espaces à faible densité. Les espaces à faible densité peuvent être des espaces à forte contrainte naturelle, en particulier les espaces montagnards. Donc je rappelle, hein, quand on regarde une carte des densités, en général, les espaces montagnards apparaissent clairement comme des espaces à faible densité. Ici, on a le Massif central, là, on a les Alpes, là, on a le Jura, ici, les Vosges,
et là les Pyrénées. Donc ça correspond bien à ce qui est dénoncé. Les contraintes naturelles sont une cause d'espaces à faible densité. Je reviens à mon texte. Donc, les fortes contraintes naturelles, en particulier les espaces montagnards, cela crée des contraintes d'accessibilité et cela rend difficile la modernisation agricole. Puisque vous savez que l'agriculture intensive, à fort rendement, se pratique en plaine. Exemple tiré du cours, la Creuse, par exemple, est un des départements les plus faiblement peuplés de France. Et j'aurais pu ajouter, je vais le faire, et elle se trouve dans le Massif central. Ensuite, deuxième contrainte. Par ailleurs, les espaces à faible densité pâtissent souvent de leur éloignement des grandes aires urbaines, qui implique l'éloignement des services. Services médicaux, on parle de déserts médicaux, d'éducation, couverture numérique. Ces contraintes rendent ces territoires peu attractifs, ce qui fait que beaucoup perdent des habitants car les familles ne s'y installent pas. En conséquence, la population vieillit. Ainsi, en Creuse, l'aire urbaine la plus importante est Guéret et elle ne compte que 35 000 habitants. Le département perd 1% de sa population chaque année. Donc vous voyez, sans entrer dans le détail, on a énuméré différentes difficultés. Le fait qu'il y a peu de services, hein, on sait qu'il y a peu d'hôpitaux, peu de médecins qui s'installent dans les espaces à faible densité, et donc qu'il est difficile de s'y faire soigner. Les problèmes liés à l'éducation, en général, dès qu'on passe dans l'éducation, dans l'enseignement secondaire, eh bien il va falloir s'éloigner de son domicile pour recevoir cette éducation, donc il y a beaucoup de jeunes gens dans ces territoires qui vont devoir vivre en internat. La couverture numérique, donc il y a moins d'accès à l'internet rapide quand on habite dans des espaces à faible densité, parce qu'il y a moins d'infrastructures installées dans ces régions, parce que c'est pas rentable pour les opérateurs de les y installer, puisqu'il y a peu d'habitants. Et en conséquence, eh ben, quand on est jeune et qu'on a une famille, eh bien on n'est pas incité à s'installer là. Résultat, beaucoup de jeunes gens quittent ces territoires et vont s'installer ailleurs, dans les grandes aires urbaines, ou dans des territoires mieux reliés aux grandes aires urbaines, et résultat, eh bien, il y a une population plus âgée que la moyenne dans les territoires à faible densité. Ça, c'est pour la première partie, qui est les contraintes. Donc ensuite, on passe aux atouts. Cependant, ces espaces ont également des atouts. La richesse de leur patrimoine naturel et culturel, cela permet le développement du tourisme vert. En Creuse, il y a un parc naturel régional. Il s'agit du plateau de Mille Vaches, hein, qui est réputé pour ses forêts, ses lacs. Il y a dans ce parc de nombreux chemins de randonnée. On voit qu'il y a aussi des élevages de moutons. Et donc il y a des chemins à la fois pour les vélos et pour les randonneurs à pied. Et du coup, ça développe une activité évidente, c'est le tourisme vert. Donc je reprends le texte. Donc, cela peut permettre le développement du tourisme vert. En Creuse, un parc naturel régional sillonné de chemins de randonnée permet de mettre en valeur le territoire. Souvent, la mise en valeur de produits issus de l'agriculture locale peut également préserver les activités agricoles traditionnelles grâce à des appellations comme les AOC ou les AOP et développer le tourisme. De plus, quand un espace à faible densité est bien relié à des aires urbaines plus importantes, ce dynamisme est encore plus marqué. Ainsi, le Périgord, bien relié à l'aire urbaine de Bordeaux, attire de nombreux touristes par la richesse de son patrimoine, paysage et gastronomie, vin, foie gras, truffes. Les espaces à faible densité bien reliés aux grandes aires urbaines attirent également une population qui recherche une meilleure qualité de vie. Par exemple, les Britanniques qui s'installent dans le Périgord tout en gardant un lien avec leur pays d'origine grâce aux nombreuses liaisons directes par avion entre Bergerac et le Royaume-Uni. Donc, quand on parle des atouts, on parle évidemment des activités qui sont dynamiques, donc le tourisme, et qui sont en lien avec le patrimoine de ces régions. Un patrimoine qui est divers, qui peut être architectural, qui peut être naturel, qui peut être culturel avec la gastronomie. Quand on donne des exemples, on est le plus précis possible. Donc voilà, par exemple, voilà les Britanniques qui s'installent dans le Périgord. Et ici, vous voyez qu'on fait une distinction entre les différents types d'espaces à faible densité. On voit bien que certains sont plus favorisés que d'autres. En conclusion, donc on annonce que l'on conclut. Pour conclure, bien que les espaces à faible densité souffrent de contraintes, ils bénéficient d'atouts et peuvent se révéler attractifs à l'heure où beaucoup d'urbains cherchent une meilleure qualité de vie
et où un tourisme plus respectueux de l'environnement se développe. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris ce corrigé, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Bon travail pour vos révisions pour le brevet.